Une rumeur stupéfiante se répand dans la savane. Karamoko, le sorcier, confectionne un collier magique qui rendra invincible celui qui le portera. Les animaux se succèdent. Buki, la hyène. Luc, le lièvre. Gaindé, le lion. Qui obtiendra le gris-gris tant convoité? Le collier magique de Suleiman Mbodj et Magali Atiogbe. Je compte jusqu'à 7 et je viens te chercher. Attention! 1. 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Ça y est, j'arrive. Caché ou pas, de Lolita Séchant et Camille Jourdi. Ça serait tellement génial de pouvoir voler un jour. La grande métamorphose de Théo, de Marzena Sowa et Geoffrey Delinthe. Voilà, c'était trois courts extraits des trois ouvrages qui vont être présentés maintenant sur le plateau de La Plume démasquée. C'est à toi, Julien, avec tes invités d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez pu écouter les lectures savoureuses de Sophie Doratulde, qui est comédienne et lectrice à voix haute. Merci Sophie. Bienvenue, lectrice, lecteur, sur notre plateau de La Plume démasquée. En ce dimanche, nous accueillons sur notre plateau aujourd'hui Stéphanie Maléa, qui est directrice de l'agence ComJ. Nous avons aussi Céline Gardet, qui est bibliothécaire dans le réseau Bibliothèque de Montreuil. Nous avons Sandra Hébrard, libraire à la Générale du Livre. Sandrine Hébrard, pardon, Sandrine. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, nous avons l'indispensable Camille Olivas, qui conclura cette émission, comme chaque émission. Voilà. D'accord, donc nous avons trois livres aujourd'hui, La grande métamorphose de Théo, Caché ou pas, j'arrive, et Le collier magique. Alors je vous propose de commencer par Le collier magique, je crois que c'est Stéphanie qui a choisi ce livre. Alors mon troisième coup de cœur, ça porte sur Le collier magique, un conte de Suleiman Bodj. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un conteur, un musicien d'origine du Sénégal. J'ai la chance de le connaître, que j'avais reçu ce conteur plusieurs fois quand j'étais libraire. Et à chaque fois, c'est des moments magiques. C'est un magicien de la bonne humeur. Et il transmet, en fait, tous les contes qu'il a entendus quand il était petit et pas que. Et puis, on sent son amour de la transmission. Donc voilà, c'est pour ça que ce coup de cœur
est absolue. J'adore ce conteur. Et avant de vous parler du conte, je voudrais juste lui emprunter en fait ces deux petits mots qu'il dit avant chaque conte. Et je trouve que ça fait toute la richesse après du moment. Bon, je dis pas que je suis une super conteuse, hein, c'est pas du tout mon métier, mais du coup, quand on pense à Souleymane, on peut pas s'empêcher, une fois qu'on l'a vu en spectacle, en conte, c'est Aïbo, Aïbo, les Belmas, maman, raconte-moi les contes de la terre en gars. Et tout de suite, quand il prononce ces mots, on est emporté. On a envie de l'écouter, on a envie de partir avec lui au Sénégal et dans les contes. Donc Sophie a bien raconté tout à l'heure. Voilà, je vais vous reprendre un petit peu. C'était il y a très longtemps, très 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 longtemps, à une époque où les animaux et les humains parlaient le même langage. Et on entendait parler de ce sorcier, Karamoko, qui allait concevoir quelque chose d'absolument magique, un collier. Et il allait le donner à l'animal qui le mériterait le plus, et alors celui-ci deviendrait invincible. Et là, c'est très drôle, parce qu'ils vont tous défiler, le petit, le gros, le moyen, le charmant, chacun avec une sorte de lettre de motivation, en mettant en avant toutes ses qualités, et puis un petit peu en dénigrant les autres quand même. Du coup, le lièvre, voilà, Sophie a dit, le lion. Et à chaque fois, c'est très drôle, en fait, tous les subterfuges qu'il trouve. Et puis le sorcier qui ne se laisse pas faire et qui écoute patiemment ce que chaque animal a à dire. Voilà, c'est un petit bijou. Je ne sais pas, je ne pense pas vous raconter la fin parce qu'elle est surprenante. Le seul indice que je pourrais vous donner, c'est un conte que j'aime beaucoup. C'est la légende du colibri chez Actes Sud. Oui. Et comme ça, ça vous donne un indice de qui va remporter le collier magique. Alors, le collier magique, c'est pas la première collaboration aux éditions des éléphants, c'est la deuxième. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi le caméléon qui se trouvait moche, rien que le titre, j'adore. C'est un conte classique, l'histoire n'est, enfin, et c'est classique, mais les mots de Souleymane combinés aux illustrations, aux couleurs chatoyantes de Magali Atiogbe, en font un album que l'on prend plaisir à raconter et dont on se lasse pas. Je trouve que, elle a fait des super dessins pour continuer. Et toutes ces couleurs au milieu de la grisaille de l'hiver, c'est quelque chose d'extrêmement rafraîchissant. Ouais. Et après, moi, j'ai juste un bémol, mais ça n'engage que moi. En fait, quand je l'ai lu, j'avais la voix de Souleymane dans ma tête. Et du coup, voilà, c'est le seul bémol, c'est que il n'y a pas la voix de Souleymane, mais je sais qu'il fait des lectures, des animations géniales. Donc j'invite tous les libraires bibliothécaires qui veulent entendre le collier magique raconté à l'inviter. Merci Stéphanie. Céline, Sandrine, vous avez des réactions par rapport à ce livre ? Céline, par exemple ? Vous l'avez évoqué, c'est vrai que ces couleurs absolument chatoyantes, elles portent ce folklore vraiment avec dynamisme et bonne humeur, et que ça fait vibrer cette histoire qu'on peut connaître déjà, mais qui là se part de couleurs fantastiques, quoi. Stéphanie l'a dit, Souleymane, c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup pour que le conte africain soit présent dans l'édition jeunesse. Moi, je suis comme Stéphanie, j'ai la chance de connaître Souleymane parce qu'il est intervenu dans la classe de ma fille qui a 20 ans aujourd'hui quand elle était en moyenne section. Et quand on partait à l'école, donc avec mes trois enfants, dont ma fille qui avait Souleymane dans sa classe de temps en temps, elle me disait « C'est la journée de Souleymane aujourd'hui ?» Je lui disais « Non, aujourd'hui non, ah !» Donc vraiment, quand on a eu la chance d'entendre Souleymane conter, en fait, c'est exactement ce que dit Stéphanie, c'est-à-dire ça fonctionne comme de l'hypnose. Le début du conte et après, on y est. Eh bien, j'espère que j'aurai... Absolument. J'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer un jour de mon côté. J'espère que tu n'en veux pas que je chante très très faux et j'ai peut-être mal chanté le début. Non, c'était le collier magique de Souleymane Mbodge et Magali Atiobé. Nous allons passer à La grande métamorphose de Théo, qui est un livre de Marzena Sowa et Geoffrey Delinthe. Et c'est Céline Gardet qui va nous le présenter. Alors, donc, on va suivre les aventures de Théo. Et ce qui est important, et du coup, je vous le montre parce que ce sera plus facile après pour l'évoquer, ce Théo,
qui a souhaité, ou en tout cas qui s'interrogeait sur le fait de voler et de devenir un oiseau, il se trouve qu'à la même seconde, un moineau sur son balcon s'est posé la même question, et que pendant la nuit, les rôles se sont échangés. Et donc au petit matin, c'est un Théo en forme de moineau, qui, sans trop bien comprendre, se retrouve à l'école. Il ne sait pas précisément ce qu'on attend de lui. Il s'embarque. Et pendant la récréation, il va voir effectivement un petit garçon lion et une petite fille moustique qui dénote au sein des camarades qui sont des enfants, je dirais, comme on les connaît tous. Les autres ne les voient pas du tout comme ça. Hein. Exactement. Comme des enfants normaux. Tout à fait. Ni les camarades, ni les parents. Ils sont les seuls à se reconnaître. Voilà. Ni les enseignants ne semblent remarquer quoi que ce soit. Alors eux, se promenant dans la ville, dans la rue, ils repèrent quand même d'autres animaux. Et donc, il y en a d'autres, des comme eux. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que du coup, on va les suivre. Ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Est-ce que c'est révocable ou pas? Et est-ce qu'on a envie que ça s'arrête? Donc ça, c'est vraiment l'histoire. Et derrière, ça évoque le fait de changer, d'évoluer, d'avoir une intimité qui se développe. Les autres ne le remarquent pas, ou en tout cas pas nécessairement. Mais nous, on bat de cette nouvelle vie, de ces nouvelles aspirations. Ça a été vraiment un coup de cœur. J'étais très séduite par cette bande dessinée qui est très positive, dans des couleurs automnales absolument apaisantes. Et puis par ces paroles à hauteur d'enfant, ces évocations de transformation, ces envies d'être autre. Et puis, est-ce qu'on va jusqu'à le tester? Est-ce qu'on est dans une continuité? Est-ce qu'on est dans, on change de choix? Est-ce qu'on peut être n'importe qui à chaque instant? Est-ce que tout reste ouvert? J'ai trouvé que c'était intelligent et tout à fait réjouissant. Et c'est assez fin, en plus, c'est assez délicat. Très subtil. Ouais. Voilà, subtil, c'est le mot que je cherchais, exactement. Stéphanie, Sandrine, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce livre? Moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une BD qui on prend beaucoup, voilà, beaucoup de plaisir à lire. Et ça a plusieurs facettes, en fait. Et j'ai bien aimé ce côté multiple. C'est intime, c'est imaginaire, c'est philosophique par moments, énigmatique. Et ce que j'ai adoré, c'est que la métamorphose, elle n'est pas uniquement physique. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il se comporte pas aussi de la même manière. Et il va être surprenant, il va plus aimer les jeux vidéo, il va aimer se balader, il va plus forcément aimer passer du temps avec Clément à la fin de la journée, il va avoir d'autres envies. Et ça, je trouve ça chouette parce que les enfants, quand ils changent comme ça, en fait, ils ont tout le regard des autres sur eux. Et après, on peut se moquer d'eux ou leur reprocher de plus aimer ça. Et je trouve que c'est très, très bien expliqué, très bien amené. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce passage où aussi il prend conscience qu'il n'est pas le seul à s'être métamorphosé. Et du coup, là, je trouve que la BD, elle prend tout de suite un autre rythme. Et le fait qu'ils soient ensemble, qu'ils s'interrogent du pourquoi, du comment, ensemble, et ça crée quelque chose de magique à ce moment-là. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est un peu philosophique à un moment. Ils sont bien comme ça ou ils étaient mieux avant? Et j'aime bien quand ça aborde comme ça des choses, un peu des réflexions un peu plus profondes. Et ça m'a rappelé une série, après je termine, ça m'a rappelé une série que j'adore. C'est un thriller pour les 7-9, c'est Je suis un autre, où c'est exactement pareil, c'est Adrien qui devient Thomas. Et puis il y a des métamorphoses comme ça dans chaque roman. Et je trouve ça hyper intéressant pour les enfants de voir ce rapport de changement entre eux. Et puis il y a cette scène très très émouvante, moi qui m'a beaucoup touchée, qui est la scène des parents, qui les parents de ce petit enfant moineau qui se retrouvent le soir au lit, et puis la maman dit mais en fait il a changé, on le reconnaît plus tout à fait, et le père mais tu t'inquiètes toujours, mais c'est très drôle parce qu'il dit mais il joue plus aux jeux vidéo, il regarde plus la télévision, et en fait tu t'en inquiétais, en forêt, ouais, c'est ça. Mais en fait tu lui reprochais et maintenant il a changé, c'est peut-être une bonne chose quand même. Et c'est assez joli aussi de cette tonalité, de comment cette posture de parent, comment on accompagne des changements, des évolutions. Je trouve qu'il y a aussi une très belle place donnée à cet accompagnement-là parental. C'est chouette. Oui, tout à fait. Sandrine? Alors moi j'aime aussi beaucoup cette bande dessinée. Je trouve qu'il y a une vraie prouesse sur le début à faire comprendre à des lecteurs qui sont un peu jeunes, hein, parce que c'est quand même si c'est copieux, c'est quand même pour des jeunes enfants, à faire comprendre ce qu'est une métamorphose en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas,
on le sait, en fait, il a subi une métamorphose. Et je trouve que c'est une vraie prouesse parce que c'est pas si simple. Quand on l'écrit, quand c'est pas en image, c'est facile de dire il s'est transformé en et on comprend. Là, en fait, c'est en image et je trouve que ça, c'est très, très réussi et qu'on le comprend immédiatement avec cette dernière, si tu peux la montrer, en fait, quand il se lève le matin, en fait, la dernière case avant son lever. Il est vu de haut et on sent bien que ce truc va l'écraser parce que c'est quand même quelque chose. Voilà, en fait, c'est cette case-là où en fait on le voit bien, il est tout de haut et il a ce poids sur lui parce que lui, il en est conscient, même si le monde extérieur n'en est pas conscient. Et il y a autre chose que vraiment j'aime beaucoup et je trouve qu'ils ont un sujet que peut-être ils pourront traiter plus tard. C'est cet ami avec lequel en fait on a forgé notre idée de l'amitié, ce qui peut être Clément. Et avec cette relation qui se détend, mais qui pour toujours restera. Il n'y a pas de désamour, mais il y a ce truc où on ne l'est plus et qui forgera à toujours finalement notre relation d'amitié, peut-être nos petits désespoirs d'amitié. Et il l'a après aussi, alors je ne voudrais surtout pas dévoiler la fin, mais avec ses compagnons de métamorphose, il va avoir aussi ces questions de choix qu'on fait qui peuvent nous éloigner d'un ami qui restera peut-être toujours ce qui fait notre rapport à la mélancolie dans l'amitié. Et ça, je trouve que c'est pas le sujet du livre, mais ils y touchent et je pense qu'ils ont quelque chose à faire avec ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le rapport aux rêves et aux aspirations de chacun. Il y a le rêve d'un petit oiseau qui est délaissé par ses parents et qui aperçoit ce petit garçon par une fenêtre qui est choyé par sa maman et qui rêve de devenir comme lui. Et puis le petit garçon qui rêve de voler et les deux vont fusionner. Et à un moment donné, il va y avoir aussi est-ce que je reste humain? Est-ce que je redeviens animal? J'ai trouvé ça, ce traitement du rêve était vraiment original, vraiment. C'est la première fois que je vois ça. Et on n'a pas parlé de Monsieur Mouton, mais je trouve qu'il a un rôle très intéressant dans la BD, de voir un adulte, en fait, qui lui-même métamorphosé et qui a fait le choix de rester comme ça. Et je trouve que ce qu'il dit, il n'intervient pas beaucoup dans la BD, peut-être une double page. Oui, c'est ça. Mais je trouve que ses réflexions sont riches de sens. Oui. Il est très seul. Et ça sera, à mon avis, très important pour Théo, d'ailleurs, après cette étape de réflexion. Et c'est vrai que c'est une BD de la maturité. Je trouve que même ces enfants, même à hauteur d'enfants, ils ont une réflexion sur eux, sur leurs aspirations, qui sont très fines, très justes et très matures, finalement. Tout à fait. Merci, merci beaucoup. Alors nous allons continuer avec Caché ou pas, j'arrive, de Lolita Séchant et Camille Jourdi. Nous restons toujours un peu dans les animaux, hein. C'est une thématique très animale pour cette émission. Alors qui va nous présenter ce livre? Je crois que c'est Sandrine Hébrard. Oui, alors voilà, moi mon coup de cœur c'est Caché ou pas, j'arrive, de Lolita Séchant et Camille Jourdi. Bon, j'aime beaucoup ce livre. Vraiment, d'abord je pense qu'il a été écrit pour moi. Donc c'est quand même une grande chance de pouvoir présenter un livre qui a été écrit pour vous. Ah oui. Il y a dans ce livre tout ce que j'aime, mais vraiment tout ce que j'aime. Donc Camille Jourdi, on la connaît, elle a eu une pépite l'année dernière, un fauve. Lolita Séchant, on la connaît. Moi je l'avais rencontrée avec Les Brumes de Sapa, qui était une bande dessinée que je conseille à tous les enfants qui ont 15-16 ans, qui est vraiment un livre extraordinaire pour cet âge-là. Et là, en fait, c'est très simple, c'est une partie de cache-cache. Et en fait, cette rencontre entre Lolita Séchant et Camille Jourdi, c'est une idée d'éditeur. Alors je pense qu'il s'est dit, elles vont vraiment bien s'entendre, ça va être bien. Et bien, banco, c'est Montaigne et la Boétie, elles s'entendent, mais vraiment incroyablement. Et elles font en fait une partie de cache-cache. Donc finalement, cette histoire, c'est une partie de cache-cache. Ça pourrait être très très simple, donc voilà, en fait... C'est comme toutes les parties de cache-cache. Donc, on a une première partie où c'est Nook qui va aller se cacher pendant que Bartok compte. Et puis, ensuite, Bartok va évidemment poursuivre Nook. Et à la fin, ça recommence. Forcément, on ne va pas s'arrêter de jouer. Alors, c'est une course à handicap quand même. Il faut savoir que dans cette course, il y a Mémémol qui est l'handicap de la course. Donc, Mémémol, en fait, il faut que je la retrouve. Voilà, elle est là. La vieille mémé qui veut faire des bisous. C'est la vieille mémé qui veut faire des bisous, ce qui aujourd'hui est quand même très très subversif. Une mémé qui veut faire des bisous, c'est quand même très subversif.
Donc, tout par les temps qui courent, oui. Mémé Molle, en fait, il faudrait ne pas la rencontrer parce qu'elle fait perdre du temps. Et Mémé Molle, en fait, c'est ce qui va faire un bon livre pour jeunesse. C'est-à-dire que je pense que moi, tous les deux, ces deux petits personnages, ils vont se dire, un jour, quand ils vont rencontrer une autre mémé qui ressemble à Mémé Molle, ils vont dire, oh ouais, tu te rappelles, c'est comme Mémé Molle, en fait, elle a les poils qui dépassent des collants. Et ça, c'est quand même un détail dans la BD. Cette Mémé Molle qui a les poils qui dépassent du collant, c'est extraordinaire. Et dans un bon album pour enfants, il doit y avoir quelque chose qui va rentrer en fait dans votre pratique familiale. Par exemple, moi, dans ma famille, on a la tripote d'Ariol. Si un enfant joue avec une console, tu vois, tu fais de la tripote encore. Là, en fait, ce qui va rester dans beaucoup de familles, j'imagine, c'est cette odeur de vieux chaussons anglais. Mémé Molle, elles sont le vieux chausson anglais. Merci beaucoup. Stéphanie ? Moi, j'adore aussi. C'est drôle, c'est pétillant. C'est un album qui réunit toutes les qualités que peut avoir un album. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les différents niveaux de lecture. Il y a le compte à rebours en haut. Il y a toutes les scénettes qui n'ont pas la même place, en fait, et qui rythment, qui scandent en fait la lecture avec les BD. Il y a les petits animaux au loin qui chantent une comptine. Et voilà, c'est tous ces rythmes de lecture qui, entrecoupés, donnent toute la richesse en fait de l'album. Et les décors sont juste sublimes. C'est foisonnant de détails, que ce soit dans la maison, quand le jeu de cache-cache commence, ou en extérieur. C'est bourré de clins d'œil. Alors, ça fait 3 fois que je le lis, je pense que j'en ai encore oublié. Il y a des fourmis qui font un cairn, il y a des coccinelles qui jouent au toboggan. Enfin voilà, on voit. Et puis comme il y a le jeu de cache-cache en fait en 2 temps, il y a Nook qui part se cacher et après il y a Bartok qui va essayer de la trouver. Ben en fait dans le décor on suit tout ce qui a changé, tout ce qui a évolué entre les deux en l'espace de je sais pas moi 5 minutes. Le renard qui mange son hôte. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent et c'est pas qu'une BD. En fait, c'est ça que j'aime. C'est pas qu'un album, c'est pas qu'une BD. C'est on savoure chaque page. Il y a tout un tas de détails. Il y a énormément de références aux contes. On voit le capitaine Crochet, on voit le bonhomme en pain d'épices. Il y avait un côté un peu Alice au pays des merveilles, quoi. Il y a toute une succession de personnages et on s'y attend pas du tout. J'ai bien aimé, par exemple, l'espèce de cheval bleu qu'il y a là dans la cabane avec les hérissons. Et ils n'arrêtent pas de... Vraiment vrai. Mais c'est tellement drôle. C'est un peu chapelier fou. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Le crapaud qui se regarde dans la glace et qui s'embrasse, c'est vraiment extraordinaire. Puis cette idée en fait de personnage en noir qui donne une vitesse à cette course, c'est vraiment une course folle. Et en même temps, c'est une tranche de vie, parce que ce décor, c'est presque un personnage avec les motifs des tapisseries, des rideaux, avec un petit côté suranné, le jardin, il y a une espèce de côté aussi campagne à l'anglaise, un peu, avec les aquarelles, et puis il y a ces petites oreilles qui nous attirent directement avec Maxel et Maxi Monstre. Enfin, on sent que chacun grappille son plaisir et que tout ça, ça nous fait un espèce de millefeuille absolument délicieux, quoi. Ouais, tout à fait. Et on est vraiment dans une autre temporalité. Ouais. Il y a quelque chose d'assez, old school, quoi. Voilà. Ouais. Ça sent le chausson anglais. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça m'a donné envie de voir les deux précédents, Bartok Biloba, que je n'ai pas eu la chance de lire encore, mais ça m'a donné très envie de découvrir d'autres aventures de ce petit personnage. Et du coup, mardi, je suis en bibliothèque, je vais aller les chercher. Et c'est vrai que on suit le travail de Camille Jourdi depuis un moment. Elle excelle aussi ses premiers ouvrages. Moi, j'avais adoré le Séraphine et son charme incertain. Et puis le titre de Une araignée des tagliatelles et au dodo, tu parles d'une vie. On trouve cette vivacité et puis ce sourire quoi qui suit. C'est vraiment super. En fait, ce qu'elles ont en commun, moi, je trouve toutes les deux, c'est que peu importe l'histoire, elles ont un amour des personnages qui est vraiment, en fait, c'est pas tant l'histoire, c'est la manière dont les protagonistes vont faire l'histoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'elles partagent toutes les deux. Et qu'on retrouve dans les BD adultes aussi de Camille Jourdi, que ce soit Rosalie Bloom ou que ce soit Juliette, tout d'un coup, elles deviennent presque des amies au bout des 3 tomes, on n'a pas envie de les abandonner, quoi, c'est vrai. Ouais.
Donc c'était Caché ou pas, j'arrive, de Lolita Séchant et Camille Jourdi. Il est grand temps pour moi de laisser la parole à l'évanescente Camille Oliva. Merci Julien. Donc vous le savez peut-être, moi je suis la représentante de Kibukin, notre plateforme de prescription littéraire qui a été montée par le Salon. Et nous, ce qu'on fait sur Kibukin, c'est on rassemble tous les livres qui nous paraissent être complètement indispensables à lire et on les conseille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est écouter tout ce que vous avez dit et maintenant, en l'espace de quelques minutes, je vais concentrer tout ce que vous avez dit pour présenter ces albums sous forme de labels qui sont des façons un peu percutantes de présenter ces livres pour permettre au lecteur de savoir en un clin d'œil quelle sera l'ambiance globale du titre présenté. Je vais commencer donc avec le collier magique, le choix de Stéphanie, qui est un conte à la fois donc réjouissant, frais, malin, coloré, joyeux, un petit bijou qui se prête particulièrement à la lecture à voix haute. C'est un album qui est susceptible de séduire immédiatement les jeunes enfants. Là-dessus, comptez sur nous, on vous raconte pas d'histoire. Mais alors pourquoi ? Bah pour plusieurs raisons. Simplement parce que il y a déjà pléthore d'animaux, ensuite un artefact qui donne des super pouvoirs, et enfin, je veux pas vous spoiler, mais il y a une scène avec du caca, et ça, en général, les enfants adorent, surtout quand il y en a des quantités éléphantesques. Donc voilà, quitte à ce que vos enfants vous réclament de lire le même album à la chaîne, autant que ce soit celui-là, parce que c'est une vraie perle. Ensuite, je vais continuer avec La Grande Métamorphose de Théo, le deuxième album qui a été présenté, donc une BD ostensiblement kafkaïenne, l'histoire d'un moineau qui se retrouve projeté dans le corps d'un enfant et qui va finalement découvrir qu'il n'est ni humain ni d'oiseau. C'est un livre vraiment très très chouette qu'on a envie de défendre bec et ongle, saluant en effet la plume des deux auteurs qui ont pondu une bande dessinée à la fois délicate, sensible, tendre et drôle. C'est une histoire sur la conquête du bonheur, l'émancipation, l'affirmation de soi pour apprendre à sortir de sa coquille, prendre son envol et voler de ses propres ailes. Une BD par ailleurs qu'on conseille à tous les âges, car chacun pourra en prendre de la graine. On va terminer ensuite avec Caché ou pas, j'arrive, qui est donc le crossover le plus attendu depuis Avengers, l'amitié interespèce la plus appréciée de tous les enfants. Donc la rencontre inédite de Bartok, la petite taupe de Lolita Séchant, et Nook, l'enfant chat de Camille Jourdi. L'alliance des deux univers est tellement mignonne que si une portée de chaton ouvrait une boutique de cupcakes, on en serait attendri de mignonitude. Ça ferait exactement le même effet. Donc c'est à la fois délectable, gourmand, léger. Et non, je vous parle pas d'un tube de crème chantilly, c'est bien de ce livre dont je vous parle. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que là, au moins, vous pouvez le dévorer sans modération. D'ailleurs, l'album, comme vous l'avez dit, est une véritable cachette surprise, tant on se régale à débusquer les innombrables détails et micro-scénettes qui sont à la fois pleines d'un humour aérien et cachées dans tous les recoins des pages et qui ne sont pas sans rappeler la célèbre coccinelle de Gottlieb. Donc voilà, en résumé, cette BD est une petite vermeille et on apprécie particulièrement les décors de Camille Jourdi qui apportent à cet album un certain cachet. Merci Camille pour cette chronique délicieuse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et vous remercier aussi d'avoir partagé ce moment avec nous sur le plateau de La Plume Démasquée. Vous n'avez plus qu'à éteindre votre télévision maintenant et puis ou votre ordinateur et lire un bon livre. À demain.